On va revenir sur le Covid, mais c'est surtout dans la posture. Quelle posture on doit avoir, comment on doit se préparer à en sortir aussi de cette crise sanitaire, mais surtout du comportement qu'on a construit depuis près d'un an pour affronter ce Covid. Ne plus se parler, ne plus se saluer, ne plus faire de bisous. Tous ces liens sociaux qu'on a rompus, est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Est-ce que c'est une remise en cause? On pose la question à Guy Roger dans Causement Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Jismi. On dit toujours que lorsqu'on fait reset sur un clavier d'ordinateur, ça remet le programme à zéro, on repart sur de bonnes bases. Ce Covid fait un reset avec nous. C'est l'occasion de se remettre en cause, de recommencer, de revoir nos schémas de comportement et de fonctionnement. C'est le moment de se dire qu'il y a peut-être des choses que on nous oblige à changer, mais c'est peut-être au bout une bonne chose. Ben, fondamentalement, la vie n'est jamais statique. Tout arrive dans la vie. Et la vie ne te promet pas la sécurité perpétuelle. La vie est quelque chose qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais elle ne vit pas avec la statique que nous connaissons, l'habitude, les train-trains que nous avons installés dans nos vies. On s'est installé dans l'habitude et les train-trains. Et quand ces train-trains et ces habitudes sont effacés, eh ben on ne sait plus quoi faire. On est paniqué parce qu'on a l'habitude d'avoir tous ces privilèges et tout d'un coup, il n'y a plus de privilèges. Donc, on se remet en Admettons, question. c'est-à-dire que je ne parlerai même pas de privilège, je parlerai juste d'habitude. Oui. Une habitude, c'est déjà un privilège. Voilà. De pouvoir continuer la vie comme tu aimes tout le temps, c'est un privilège, parce que certains ne le peuvent pas. Tu sais, tu vas dans des pays où tout est, tu sais, d'instant en instant, ça change, hein, tu sais. Et la vie, justement, te donne d'instant en instant quelque chose de neuf. Mais nous, on veut garder ce que nous avons acquis. Et ce qu'on a acquis, c'est le plaisir de vivre dans une zone de confort. L'humain d'aujourd'hui a créé une zone de confort. Et il y a eu quelque chose, comme avant aussi, il y a eu d'autres choses qui nous sont arrivées. Okay? Mais là, il est arrivé quelque chose, le Covid-19, qui fait partie de la vie, qui nous bascule dans l'incertitude. Okay? Et cette incertitude-là, eh ben, comment nous la vivons? Alors ça, c'est à nous de nous remettre en question pour voir que les habitudes que nous nous sommes installées dedans, c'est de l'éphémère. Ce n'est pas la sécurité. C'est quelque chose que nous avons cru pouvoir garder comme étant quelque chose qui va nous donner un peu de certitude. Mais la vie n'est pas une certitude. À la fin, il y a la mort. Ça, c'est une certitude. Bien sûr. Mais si tu penses que la vie de tous les jours doit se faire comme d'habitude, ben là tu te leurres parce que la vie n'est pas comme d'habitude. La vie, c'est quelque chose dans laquelle il n'y a pas l'habitude. L'habitude, c'est une construction de l'homme. Mais on le sait, pour l'avoir, je dirais, souvent avoir eu des réflexions, avoir eu des explorations que l'homme a besoin pour vivre de certitude. Alors, il a besoin pour vivre de certitude. Certes, certes. On a besoin de manger, dormir et se vêtir. Et si ça, c'est pas sûr, ben on est nerveux. On est d'accord. Le monde aujourd'hui, si tu n'as pas un toit pour dormir, assez à manger, eh ben tu es dans l'incertitude et tu es nerveux. Il y a une psychose qui se fait, une névrose même, et on veut absolument arriver à avoir ces choses essentielles. Essentiellement. Mais psychologiquement, tu vois, nous ne nous sommes pas arrêtés à là. On a voulu aussi la sécurité psychologique, que on m'aime, que quelque chose m'aime, que je puisse exister, tu vois. Et si personne ne m'aime, eh ben je serai dans l'insécurité. Tu comprends? Mais tu vois, ça c'est psychologique.
Mais cet amour psychologique que tu as besoin de gagner pour pouvoir exister, c'est quelque chose que tu te leurres, parce que c'est pas quelque chose que tu peux gagner, ça. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on prend pour être bien. L'amour, c'est quelque chose que tu donnes pour être bien. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. C'est du vent, l'amour. On peut pas le mettre en cage et dire « je l'ai, j'ai gagné ». Tu vois, l'amour, c'est quelque chose de subtil, mais il vient du fond du cœur de chacun. Et comme on n'arrive pas à aller au fond du cœur, de nos cœurs, on ne veut pas aller là-dedans, parce que ça nous perturbe, ça nous fait souffrir d'aller voir au plus profond de nous. Et au plus profond de nous se trouvent ces choses, derrière tout le désordre dans lequel la psyché allait, tu vois, la colère, l'angoisse, les ennuis, tout ça. Eh bien, aller au-delà de tout ça nous fait découvrir qu'il y a une autre dimension, une dimension qui surpasse toutes ces choses, tous ces désordres en soi. Donc, il faut que tu apprennes à voir le désordre en toi, à voir tous ces désordres pour pouvoir être libre, pour pouvoir savoir qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui va t'élever, mais pas élever moi. À ce moment-là, moi qui veux être élevé n'existe pas. Mais la personne, si on prend l'être humain lambda, est-ce qu'il a cette réflexion-là? Est-ce qu'il a cette profondeur ou cette hauteur? Est-ce que l'élévation fait partie de ses besoins? Ou aujourd'hui, ce qui l'intéresserait, c'est plus... Ce serait de pouvoir sortir, aller boire un coup, aller jouer aux chevaux. Aller. C'est les exigences des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Oui. Tu sais, insidieusement, il y a quelque chose qui se passe en soi. C'est insidieux. Parce que nous... Tout ce qui se passe en soi, c'est presque dans l'inconscience. Parce que ce qui est conscient pour soi, c'est qu'on voit à l'extérieur de nous et c'est de ça qu'on prend conscience. Okay? Mais quand on te dit « va voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi », eh ben, tu n'arrives pas à le faire. Okay? Comme tu dis, le monde lambda, tu sais, il veut pas, il peut pas le faire parce que ce qu'il est habitué de tout. Non seulement il peut pas le faire, mais souvent il veut pas le faire, il veut même pas essayer. Oui, parce que ça inclut pour lui une remise en cause, ouais. Une remise en cause de ce qu'il voit, et toute la propagande de la vie t'a donné ce que tu vois comme si c'était réel. Alors, insidieusement, en soi, il se passe quelque chose. Quand tu as vu ce qui se passe dehors, tu crois que c'est que dehors qui existe. Et tu renies que ça vient de là. C'est soi qui fait le monde. Et quand tu as fait le monde, tu regardes le monde, tu dis « Hey, j'aime pas !» Et tu oublies de dire que ce que tu vis, les instants que tu vis, les compulsions, les rages, les colères, les angoisses, les envies et tout ça, eh ben c'est ça qui crée tout ça. On crée une société qui ne nous plaît pas parce qu'on n'ose pas se regarder. Donc, si tu veux te regarder, il faut oser regarder ce qui est laid. Oui, c'est encore une fois, comme on dit, avec le Covid, on parle de remise en cause. De se regarder dans un miroir et de se dire qu'est-ce qui... Faire un constat. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de moins bien? Qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui de changer? Et si on veut changer, ça veut dire évoluer. Évoluer vers quoi? Comment? Et est-ce qu'on a la force et l'énergie de mettre en marche une stratégie qu'on va respecter et d'aller au bout de cette stratégie. Là, ça, c'est un problème que l'être humain connaît depuis la nuit des temps. C'est d'aller au bout de quelque chose qu'il décide pour lui. Et souvent, ce n'est pas simple. Oui, mais tu vois, tu dis bien, il nous faut de l'énergie. Mais cette énergie, pour trouver la solution, elle n'est pas... Elle est dissipée, si tu veux,
dans l'esprit qui cherche à comprendre. Tu comprends ? Nous voulons la solution, donc notre esprit tourne en rond. Parce qu'il y a des pensées dedans qui nous disent comment on doit y arriver. Tu vois, si tu fais ça, tu vas voir, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et l'énergie que tu as besoin pour voir l'ensemble et pour passer au-delà de tout le problème, ben tu l'as plus. Parce que pour passer au-delà de tout le problème, il faut plus que l'esprit compare entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Tu dis, il faut se regarder même, ce qui est même, bien. Même à ce niveau-là, de la comparaison, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, on sait tous que le monde évolue, oui. Que ce qui est pas bon aujourd'hui peut devenir bon demain, oui. Et réciproquement. Oui. La question, c'est, est-ce que c'est de savoir ce qu'on a besoin. Tout à l'heure, tu disais la zone de confort. Est-ce que cette zone de confort-là est inéluctable, finalement? Parce que dire, s'il n'y en a pas, ben, on va mourir. Alors que si la vie nous amène à explorer d'autres environnements, oui. D'autres endroits où on ne pourra peut-être pas être dans une zone de confort, mais on pourra atteindre un autre niveau. Oui. Mais cette zone de confort que nous avons instaurée, elle vient justement de nos peurs. Et donc, pour aller au-delà de cette zone de confort, il faut que tu réalises que la peur t'empêche d'être libre de ce que, dans l'enclave où tu es. La zone de confort dans laquelle tu t'es installé, les idées qui se réconfortent, toute la vie que tu as mis autour de toi, ma famille, mon argent, tout ça, ça réconforte. Et la peur nous empêche d'aller au-delà de tout ça. Donc, il faut déjà voir qu'est-ce qui crée cette peur pour ne pas, pour rester, qui nous fait rester comme ça. Finalement, c'est pas facile de devenir un grand voyageur. Qu'est-ce que j'entends par un grand voyageur? Quelqu'un qui va explorer. Ah oui, parce que pour explorer, c'est un grand voyage. Effectivement, Jismi, j'aime bien ça. Parce que ce voyage, tu vois, il est pas très long. C'est le plus court, attends, et c'est le plus court voyage que tu puisses faire. Parce que il faut sortir de là pour aller là. Ah, Gandhi disait que le grand voyageur, ce n'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, mais celui qui fait 1 fois le tour de lui-même. Exactement. C'est pour ça que sortir de là, de notre mental, et aller dans le cœur, ben c'est pas loin, tu vois. La distance, elle est pas loin entre là et là. La distance physique, la distance physique est même très courte. Voilà. Et donc, psychologiquement, c'est tout un complexe. Complexe parce que nous sommes attachés à nos manteaux, de ce que nous avons acquis, tu vois. Et nous avons du mal à nous défaire du confort que cela pourvoit. Tu sais, le confort que nous avons capté dans ce que nous avons acquis. Tu sais, ma maison, ma voiture, ma femme, mes idées, ma religion, mon pays, tout ça, c'est de la connaissance que tu as accumulée. Et tout ça te donne cette zone de confort. Et quand tu dis, moi, il faut que j'aille explorer, eh bien, il faut que tu abandonnes ça. Tu comprends? Et très peu d'entre nous sont prêts à abandonner tout ça. Parce que, et c'est tout ça qui nous empêche d'explorer. Explorer ce qui est indisible, ce qui est au-delà de ce qui est fini. Tout ça, ce que je viens de te dire, c'est fini, ça arrive, et puis ça se fait, et puis ça s'arrête. Tu vois? Parce que quand tu désires quelque chose, le gain que tu auras, eh ben, le gain que tu auras de ton désir, quand tu l'auras dans ta main, ben, tu vas te dire, mais c'est quoi? Je veux encore plus. Et tu ne seras jamais satisfait. Donc on est des éternels insatisfaits. Il faut savoir que cette éternité d'insatisfaction qu'on a, c'est parce qu'il y a la peur de sortir de cette zone de confort. Alors, comment... La question va apparaître un peu inopportune, mais parce qu'on est toujours dans le virus, qu'on n'en sort pas encore. Mais comment se préparer à sortir de ce climat, de cet environnement qui nous pèse depuis maintenant près d'un an? Comment se préparer pour sortir de cet environnement-là, mais surtout, quand je dis sortir avec une vision qui est
différente quand on est quand on de ce qu'on avait quand on y est rentré, parce que je pense que il faut une remise en cause et comment faire préparer cette remise en cause, parce que l'être humain n'est pas non plus quelqu'un de très courageux, parce que quand il faut s'affronter, on préfère éviter. C'est ça. Et tout ce qu'on te dit justement dans la vie, c'est d'acquiescer l'autorité. Et l'autorité, justement, c'est ce qui t'empêche de sortir de cette zone. L'autorité te donne la promesse que t'inquiète pas, tu fais ça, ça, ça et ça, ça ira bien. Tu vois? Et en fait, cette autorité n'est même plus à l'extérieur de toi, c'est plus quelqu'un qui te le dit. Tout ce qui a été dit depuis la nuit des temps, c'est emmagasiné en toi et tu deviens toi-même l'autorité. Tes propres pensées te bloquent là. Il n'y a pas seulement ça qui pose un problème. C'est que toutes ces phrases qui se sont dites, qui ont été dites, toutes ces proverbes qu'on a, on a fait sien, toutes ces belles paroles. Sauf que, comme toute chose, ça évolue. La valeur de ce qui a été dit il y a quelque temps avant n'est peut-être plus la même aujourd'hui. Donc, comment se construire sur des, j'allais dire, sur des postures qui évoluent, et alors que l'être humain n'aime pas le changement. Ben, tu es en train de parler de citations, de proverbes, de gens qui vont te dire depuis la nuit des temps, on nous a dit une certaine vérité. Hein? Oh, en n'allant pas aussi loin. Ma mère m'a dit, mon père m'a dit, mon grand-père m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Et parfois, on fait ça, on élève ça comme des certitudes et on utilise ça parce que ben, nos parents l'ont fait et on répète. Et je suis le premier à le dire. Mais tu ne le vis pas. Ben, quand on te dit aimez-vous les uns les autres, tout le monde l'a dit avant nous. Oui. Et toi, tu répètes. Aimer, il faut s'aimer, les gars. Oui. Mais on sait, est-ce qu'on s'aime? Je vis quand même dans la tradition de mes ancêtres. Oui, mais c'est une tradition, et cette tradition n'est pas une réalité. Ce n'est juste un concept, un idéal de vie qu'on nous a propagandisé et qu'on nous a dit c'était comme ça. Et tout le monde doit connaître ces préceptes pour pouvoir vivre ensemble dans cette société-là. Sauf que il n'y a personne qui vit, qui pratique ces préceptes. Tout le monde le connaît. Mais on ne le vit pas. C'est comme beaucoup de gens connaissent c'est quoi la liberté, c'est quoi la paix, c'est quoi l'amour. On connaît. Bien sûr, on nous l'a déjà dit. On nous l'a rabâché toute notre vie. Nos parents nous ont dit. Nos religions nous l'ont dit. Mais ce qui se passe en soi, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on est capable d'aimer avec un amour qui ne demande rien? Et un amour qui est inconditionnel. Est-ce qu'on est capable d'aimer sans condition? Aujourd'hui, notre société nous a aussi propagandisé, conditionné à aimer à condition que. Tu aimes, mais à condition qu'il y a quelque chose à gagner. Autrement, tu le laisses barrer. Parce que tu vas souffrir. C'est ce qu'on te dit. Et c'est ça notre problème. C'est que nous ne sommes plus capables d'avoir l'état naturel de ce que nous sommes. Tu vois? Nous avons besoin d'un conditionnement pour exister dans ce monde. Et ce conditionnement, eh ben, tue justement toute la valeur des préceptes que tu connais. Elle est morte. Les préceptes sont morts. Ce ne sont que des mots, que des phrases, des jolies phrases, des dictons, des citations, que tout le monde répète. Mais il n'y a personne qui est ça. Et il suffit d'être ça. La question, c'est, encore une fois, et je reviens là-dessus, c'est comment amener chaque individu en âge de le faire, de prendre conscience que c'est le moment d'appuyer sur le bouton reset ou de remise en cause pour se poser les bonnes questions, de se dire maintenant que l'environnement est bouleversé, que les schémas sont en train de bouger, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je cherche vraiment cette remise en cause? D'accord. C'est quand tu vois le monde comme ça, c'est la question que tu te poses. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour
que les gens prennent conscience. Parce que tu vois l'envergure, le désastre, et le mur dans lequel on va se taper, tu vois. Alors, nous, les humains, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, à premier abord, tu vois, tu sais que tu peux rien faire. Au fond de toi, tu sais que tu ne peux rien faire pour ce qui se passe là-bas. Parce que l'enjeu est trop grand. Les guerres sont lancées. Les usines sont lancées. L'argent qu'il y a là-dedans, tu ne peux pas te dire « je vais faire quelque chose pour arrêter tout ça ». Ok ? Par contre, il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de changer soi. Et quand tu as pu voir que ce que tu es crée ça, alors tu as la capacité de te remettre en question et de voir la vie d'une autre manière, de penser à autre chose qui soit un intérêt personnel. Et c'est là que tu changes. Et si tu changes, il y aura peut-être, ne pense pas que tu vas changer le monde, mais il y aura peut-être quelqu'un qui va vouloir savoir pourquoi tu fais ça. Et tu vois, et je crois que c'est là l'atout qu'on a chacun d'entre nous, c'est de vivre ce que on a sans créer plus de dégâts, tu vois. Et quand on vit ça, eh ben on incite les autres à faire aussi la même chose. Mais c'est un processus très lent que la conscience elle-même, c'est la conscience elle-même dans sa totalité qui doit changer. C'est pas les affaires autour de nous, c'est pas la situation qui doit changer, c'est la conscience qui doit changer. Et la conscience, elle n'est pas la tienne, ni la mienne, il n'y a pas ça, il n'y a pas ma conscience, ta conscience, il y a la conscience qui appartient à l'humanité. Et chacun d'entre nous, quand on va cesser de l'alimenter, eh ben elle va sortir de sa crise. Tu vois, la conscience sortira de sa crise. Et alors la conscience, le contenu de tout ce qu'on a foutu dedans, tous nos envies, nos désirs, nos aspirations à vouloir avoir une vie belle qui vient de l'intérêt personnel, eh bien, tout ça va... Tu sais, comme un étang où tu envoies une pierre sur l'eau calme, eh bien, tu n'envoies plus la pierre dans l'eau. Tu as laissé l'eau se calmer. La conscience, elle est comme ça. Arrêtons de jouer avec les choses pour faire du désordre. Et tu vois, quand nous voulons quelque chose, quand nous voulons arriver à quelque chose, quand nous avons une idée de comment les choses devraient être, eh ben on active notre esprit à vouloir effectuer ces choses. Donc nous créons encore le monde. Moi j'ai dit arrête de créer tout ça, vis la vie sans déranger les choses. Accepte que c'est comme ça. Et quand tu acceptes, les choses vont revenir comme elles sont. Parce que nous jouons avec ces choses-là, que les choses se perpétuent. On va s'arrêter là, parce qu'on a déjà passé de 3 minutes le temps qui nous est imparti. On reviendra là-dessus, parce que j'allais dire quand les choses se perpétuent, à savoir comment à chaque étape les choses se perpétuent et comment, quel est le rôle de chacun dans cette évolution. Oui. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.